Je suis là. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bah bienvenue aujourd'hui pour un stream qui je pensais pas aller se faire d'ailleurs hier, puisque pour ceux qui ont suivi la petite histoire, malheureusement Attention, il y en a qui s'en fait ban pour ça, Hier, j'étais parti ce week-end, tu vois, à Puerto Vallarta, bon, qui est à une demi-heure d'ici, à la plage. On s'est dit, tiens, petite journée en famille, tranquille. Je sors de l'avion, je suis dans le bus, je reçois un tweet, Skyros TV, banni, Twitch. Alors, c'est bien ma surprise, mon étonnement, mon effroi. J'ai dit, attends, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tu sais, je veux dire, en plus, à ce moment-là, tu sais, il y a tout qui repart dans ta tête. Attends, j'ai dit si, j'ai dit ça, j'ai fait si. J'ai dit, waouh, attends. Après, comme j'étais pas en stream du tout du week-end, tu vois, je me suis dit, bon, bah, je sais pas, ça se trouve, imagine, il y a un con qui m'a pirate la chaîne, il a commencé à streamer du cul, ou... on sait rien, tu vois, après, bon, tout est possible, non? Je sais pas. Et en fait, non. Pour expliquer un petit peu l'histoire, pourquoi j'ai été ban et comment que ça s'est passé, puisque j'ai parlé avec Nico, qui est la personne qui m'aide et qui me gère sur Twitch, et qui est représentant de Twitch Latin Amérique. Heureusement que je ne suis pas avec Twitch France. Vous doutez bien que sinon, je ne serais pas actuellement sur Twitch. Et donc, du coup, je dis à Nico, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis ban? Et il me dit apparemment des messages de haine, de haine ou un truc comme ça. Et en vrai, à un moment donné, un jour, je suis allé sur le stream de Saxy et j'ai laissé plusieurs messages amicaux, pourrait-on dire. T'es nul, FTP, NTM, etc. Et parmi les mots que j'aurais pu mettre ce jour-là, il y avait le mot PDS. Alors le PDS, vous le savez ce que c'est le truc dans Warzone 1, là, tu sais, pour être dans le gaz. Et en gros, ils ont cru que j'étais en train de faire des insultes homophobes. Voilà, donc on a dû expliquer un petit peu, déjà, que c'était des blagues personnelles, tu vois, parce que, des private jokes, tu vois, en gros, on se connaît avec Saxy, c'était mon pote, tu vois, donc on se raconte des petites insultes entre potes, normal, tu vois. Et puis, il y a des private jokes, des trucs du genre. Et expliquer un petit peu ce que c'était, c'est ça. Et puis après, j'ai fait appel. Puis après, Nico, il m'a aidé là-dessus. Il a appuyé là-dessus. Il a dit, oh, non, mais il a expliqué en disant, non, les gars, c'est private joke, c'est son pote. Voilà, c'est pas... Donc du coup, ça a réussi à se faire des bans grâce à ça. Mais tu te dis, attends quand même. Parce qu'en fait, c'est comme le robot qui aurait calculé qu'il y a eu des insultes, etc. Et voilà, donc, écoute... Si vous voulez parler de Warzone 1, n'utilisez surtout pas l'expression PDS. Même si c'est un truc qui existe dans le jeu, tu ne peux pas le dire. Sinon, ça peut être considéré comme homophobe. Tu vois, donc, ils auraient dû penser à ça. Call of Duty et Activision, quand ils ont mis le PDS, ils ont dit non. Alors pour eux, c'est vrai que ça veut rien dire en anglais. Mais ils auraient dû penser quand même qu'en français, ça pourrait être proche d'un mot qui pourrait être considéré comme homophobe. Ah, voilà, donc... Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, il y a le truc et ça, et Twitch France... C'est eux qui ont validé le fait que, que c'était pas bien, que voilà, ça méritait un ban de 7 jours. Voilà. Donc y a pas un mec qui s'est dit, tiens, on va aller voir Skyros. Bon, il a quand même plus d'un million de followers. Bon, ça a pas l'air non plus d'être... Y a pas non plus 50, tu vois, en France, je pense, qui ont plus d'un million de followers. Donc ils auraient pu se dire, bon, peut-être rechercher un peu. C'est peut-être pas un random, un mec qui vient de créer son compte et qui insulte tout le monde, tu vois. Peut-être quelqu'un qui est sur Twitch, qui est un petit peu implanté et qui est là depuis quelques années. Donc, on pourrait quand même lui accorder le bénéfice du doute. Hein, on pourrait considérer qu'il puisse accorder à un moment le bénéfice du doute en disant, tiens, bon, cette personne-là est depuis des années sur la chaîne, nous a fait quand même gagner un petit peu d'argent. Donc, est-ce qu'on pourrait pas lui apporter un peu de crédit que peut-être on pourrait voir ça? Non, les gars, les gars, c'est un homophobe, bannissez-le 7 jours. Non, frérot, c'est mon pote. Enfin, c'est privé de jeu. Enfin... Non, c'était pas le droit. C'est... enfin, bref. C'est pour ça que je dis, j'aurais été avec Twitch France, ça aurait jamais marché, parce que... Pas dire non plus que c'est les mecs les plus actifs et... Enfin, bref, je sais pas non plus, mais voilà. Bref, voilà. Ça, c'est bien. Tout est bien qui finit bien. Voilà, tout est bien qui finit bien. Mais c'est vrai que sur le coup, tu sais, genre, t'es là, tu es content, t'as fait tes petites vacances, et là, wow, merde, what's going on? Que se passe-t-il? Tu vois? Finalement, dans un sens, plus de peur que de mal, sauf que, bon, là, la personne, après de lourdes négociations apparemment, qui ne voulait pas l'entendre, il a dit non! Non, 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 vous foutez de moi! Oui, c'est un homophobe, tu sais. Non, frérot, concentre-toi. C'est pas de ma faute si le mot ressemble à un autre. Je sais pas. Voilà. Bon, ne rigolez pas. Ah, j'étais à deux doigts de finir sur YouTube. Oh,
honnêtement. Bon, c'est vrai que le YouTube, c'est pas non plus le mieux pour stream, parce que le chat, etc. Mais j'ai pas non plus envie qu'on me prenne pour un con. Ah, Yasho qui est là, il m'a rejoint sur le jeu. Donc voilà, c'était un peu l'explication. Bon, en tout cas, tout est bien qui finit bien. Mais c'est un bon avertissement que bah, la liberté d'expression dans un sens où... Enfin, je veux dire... ouais, enfin bref. Ce qui était rigolo, c'est quand même de dire que des fois, il y a des gens qui ont des choses en stream. Il y a une fille qui a eu, par exemple, un rapport sexuel en live, tu sais. Et elle a pris 3 jours. Bon, moi j'ai dit 2-3 mots, j'ai pris 7 jours. Tu dis, ah bon, bah, dans un chat. En plus, c'était même pas mon stream, tu vois. C'est même pas du genre, je suis en live, j'ai dit, ah, espèce de gros machin, j'insulte quelqu'un, tu vois. Genre, je suis allé sur le stream de quelqu'un d'autre, j'ai laissé quelques messages. Donc, il y a un pote en plus, et ça a été mal perçu, et du coup, c'est là. Donc, je trouve que le. Comment ça s'appelle? C'est quand même un peu disproportionné. Mais c'est. Après, honnêtement, c'est Twitch, quoi. Dans le sens où je trouve que souvent, quand il va se passer quelque chose en termes de ban, de durée de ban, de justification, de ce que je pourrais considérer moi comme de faute et de sanction, je trouve qu'il y a quand même une sacrée disparité. Il y a quand même une catégorie de personnes qui sont, tu as l'impression, protégées, et d'autres, on s'en bat les couilles. Voilà, il n'y a pas mieux à dire. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est vrai que sur le coup, il y a eu quand même une petite angoisse, imaginez bien. Hein. Comme j'ai dit, hein, ça fait plus de 5 ans que je suis sur Twitch, il y a quand même plus d'un million de followers, donc bah, déjà, merci à vous, mais dans le sens où tu dis, bon, voilà, comment les gens ne peuvent pas accorder le bénéfice du doute en disant, bon, c'est peut-être c'est pas non plus n'importe qui sur la plateforme, tu vois, dans le sens, je veux pas dire que je suis quelqu'un d'important, mais bon, il y a quand même un juste milieu en disant, bon, bah, on va peut-être vérifier quand même, ou on va peut-être demander, tout simplement, c'est un petit message, tu vois, genre, les gars. Mais c'est là où tu te dis quand même que, je vais essayer de pas dire de gros mots, mais Twitch France qui valide le ban. Je les porte bien haut dans mon cœur. Motherfuckers, merci. I want to kill all you motherfuckers this game. Motherfuckers. My name is Burrito. Remember me. Yeah, I will remember you when I kill you. Ça va ou quoi? Putain, tu fais chier, je voulais parler avant de lancer la partie. Ah, pardon, je quitte? Mais non. Bah, en fait, j'avais peur que tu t'étais là, j'avais peur que tu t'impatientes. J'ai dit, bon, je lance quand même au moins. Non, je voulais pas poter avec toi. Oh, je quitte, parce moi. Parce que c'était vachement intéressant tout ce que tu disais sur ton ban et tout. Ah, oui, bah... Par rapport au fait qu'il y ait des gens complètement intouchables sur Twitch. Ah bah, tu sens qu'il y a, il y a quand même deux... Il y a pas la même égalité partout, quoi. Gros, il y a plein de monde. Oh là là, quelle arme de merde. Tu leur as parlé du taf qu'a fait Nico ou quoi? Ah ouais, Nico, il a fait... Bah, c'est grâce à lui, hein, il a poussé à fond. Hein. Et t'as expliqué que si c'était dans les mains d'autres personnes, ce serait jamais... ça aurait pas bougé? Ah bah c'est ce que j'ai dit, hein, c'est Twitch France, mec, je serais sur YouTube, là. Hein. Ouais. Bah déjà, c'est Twitch France qui a validé le ban. Ah putain, mais y'a une deuxième team en bas! Ouh ah, mais... Attends, ouh mais... Et tu le savais, ça? Mais non, je savais rien. D'accord. Oh, putain. Sur le shop, là, sur le shop. Ok, c'est bon. J'arrive, là, pain. Un crack. What? Mais comment je suis mort? Tu te l'es pris toi-même. Mais c'est pas possible, je l'ai jeté sur le shop. Oh, mais putain, mais alors les gars, ils sont à côté, ils prennent rien, mais moi, je prends. Bah, ouais, super. Je recule, tonton. Hein. C'est Twitch France qui a fait les frappes, ou... Mais pas bon, quoi. Ah, un bien touché, les deux touchés. J'ai lâché un chargeur entier sur celui que t'avais touché. Il a break d'un coup et après il est resté bloqué à 1 HP. Ah bah tu penses, ces fils de pute, ils avaient déjà acheté leur RPK. Quelle arme de fils de pute, ça. En fait, ce qui serait complètement dingue, c'est que... Et là où je rejoins Sky sur le fait que c'est complètement injuste, c'est qu'il y a plein de gens qui prennent des bans de ouf, mais il y a toujours le même groupe de personnes qui ne risquent absolument rien. Et genre, et le fait que le dossier de Sky soit passé par Twitch France et qu'il se soit fait ban, what the fuck? On est où? Genre... Voilà, bon, pourquoi c'est un mec de Twitch du Mexique qui t'a aidé 1000 fois plus que les Français? Ah, parce que moi je suis plus avec Twitch France, hein, c'est fini. Ah, moi je veux plus être avec eux, hein, c'est mort. Ce
C'est dommage qu'il faut que c'est pas fait plus attention à toi quand même. Je veux dire, Nico de Twitch Latam, il a fait plus pour moi en 3 mois que Twitch France a fait pour en 5 ans. C'est fou ça. Juste mais ça, c'est eux qu'on a, qui nous ont tués en plus. Bien joué, gros. C'est leur skin de merde là, c'est eux qui nous ont tués. Non mais c'est ouf, c'est ouf. J'ai en quelques mois, Nico a fait plus pour moi que Twitch France en 5 ans quoi. Donc non mais bon après, les choses sont comme elles sont hein, mais On saute là, on va essayer de le faire malgré qu'il soit déjà fait. De quoi? Ah non merde, elle a disparu. Je te suis. ouais bah sinon on peut aller voir la banque s'il a été fait ou pas quoi. Juste là. Voilà par exemple, tout est pas fait encore. Ouais, j'ai une caisse enregistreuse aussi, il y avait 600 boules dedans. Il y a une caisse en or avec un fusil à pompe, je suis trop content. Les caisses en or, c'est vraiment plus que c'était hein. Ah, j'entends un gars. Ah, j'ai dit que t'avais aim assist un mec de Twitch France et que tu l'avais teabag. Et c'est pour ça que t'avais ban. J'aurais aimé quoi. T'entends les gens parler ou pas? Non, j'entends R. Bon bah j'entends les gens parler donc. Donc c'est de ton côté. Attends, je vérifie que j'ai bien le son activé. Ouais, j'ai le son activé. Yeah, I see you. Where are you? Oh, I'm here, motherfucker. I'm here, motherfucker. Ah, il triche. Oh, les fils de pute. You 12 or what? Ils sont dans le glitch. C'est pas patché ça? C'est pas patché ce glitch? Non, t'es pas sérieux? Ah, mais. Ils sont vraiment dans un glitch? Bah, tu connais pas ce glitch? Quel glitch? Mais mec, tous les bats de la map, tous les bats qui sont comme ça de la map, tu peux rentrer dans le mur en fait. Ça pas tes patchs, ça existe depuis le début du jeu. Là, ils sont devant toi, là, regarde, tu les vois traverser le truc. Regarde, tu vois là? Voilà. C'est ça le glitch. Ah bah, bon, c'est pas la première fois que je le vois. Hein. Peut-être que en Europe il est pas connu, mais alors ici je peux dire qu'il l'utilise. Hein. J'ai quand même l'impression qu'ils sont sortis. Mec, il m'appelle Pussy. Ah ouais, d'accord, le mec il reste dans un glitch et t'appelle Pussy. Non, mais tranquille, normal. Ah ouais, non, c'est ça. Alors écoute, je pense pas que ce glitch soit arrivé en Europe, Lapin. Ah bah ici, moi je peux dire que. Et non mais tu te rends compte quand même que les gars ils vont là, ils vont dans le glitch et ils attendent. Ah je peux pas les signaler, le jeu est bien fait hein. Ouais normal, tu sais ce qu'il y avait qui était mieux sur la chasse d'homme? Genre tu pouvais faire CTRL R et en gros ça reportait ce qu'il y avait devant toi sur 10 mètres. Ah ouais. Parce que généralement un cheater ou un mec il glitch mais tu peux pas le report, logique. Bah oui voilà. Good luck my friend, achète une arme peut-être. Non j'ai pas assez d'argent lapin. Merci pour la réa. Oh y'a une caisse juste là. Je vais aller là et je vais essayer de te cover. Vas-y, ouais t'inquiète, j'ai réussi à me barrer là-bas. Ok. Ça va pour moi. Je vais à la même, j'arrive. Personne, en espérant que personne campe. Tu sais comment c'est hein, les caisses communes hein. Oh. J'ai l'impression que t'es l'expérience du jeu... Bah, elle est mec, pas bonne. Si t'arrives pas au début c'est... mec, tu sais que t'arrives au moment où y a tout le monde qui est là. Viens mon lapin, viens. Attends, y a un peu de loot là. Je vais voir s'il n'y a pas une petite sacoche, de balles. Ça n'a pas été loot donc je vais voir s'il y a un peu de stuff, des balles, une sacoche, des trucs comme ça quoi. Voilà c'est bon. Ah nickel. Il y a un petit peu de balles au sacoche. Moins. Non mais j'ai des balles au moins un peu. Ah, enjoy the report, petit cheater. Apparemment il y a un cheater dans la partie. J'ai plus de balles. Il est crack hein. J'ai besoin que tu... Y'a un autre mec, juste là, sur le top derrière, sur le top, juste là. Ah il est là-haut, il est loin. Non, il est juste là. Juste là-haut, au-dessus de ah, moi. Ah, il est touché. Des balles de quoi t'as besoin? Il est où Sky? Pardon, il est là. Ah merde. Pareil mec, je reviens, j'atterris. Genre t'es en vacances. Je sors de l'avion, je vais dans le bus. On s'est fait le col tranquille juste avant et tout allait bien. Ouais, j'étais là, je regardais la mer et tout, détendu. Et puis voilà, je suis dans le truc, je reçois un tweet. T'as été ban, je fais attends, mais what? Au début j'ai cru que c'était un compte fake ou je sais pas, c'est genre... Ouais, genre un brain. Un brain, après je me suis dit, ah, ça se trouve, je sais pas, il y a un mec qui a pirate ma chaîne, il a dit diffuser du cul. J'imagine quand même qu'il y a des gens qui ont rien pirate ni rien, juste ils se sont occupés à faire des clips, à faire des machins et tout, et à passer leur journée à tenter...
à faire des dossiers pour te ban. Ouais, mais là, faut vraiment pas avoir de life. Et le plus affligeant de tout ça, c'est que Twitch voit passer le truc, il voit un mec qui a plus d'un million de followers, il le ban. Après, c'est pas Twitch, c'est Twitch France. Il met pas tout le monde dans le même panier. Il y a des gens bien chez Twitch quand même. Nico, c'est le ref. Ah, Nico, ouais. Ouais mec, j'ai plus de vie. Sud. Non, fils de pute. C'est pour te sauver la vie que j'ai fait ça. Man, you're just a fucking camper. I'm gonna destroy you, bitch. It's you? Caballero. No sé dónde. Little dick. Hey bro, you are pussy. Sky, ils jouent comme des fils de pute sur moi, ils sont shield violet. Je suis en plein temps pour les tuer. J'arrive. Là, je suis venu là, il y avait deux gars en fait. Quand t'as mis le drone, il y avait deux gars à mon étage. Au-dessus de toi, tonton. J'ai une autoréa pour toi. Ah non, t'as déjà aussi. C'est bon, mon lapin. Le gars au-dessus de toi, il a disparu, je le vois pas. Devant moi. Il a un système trophy. Oh, t'as géré. Putain. On est ensemble, hein. Ah, le mec, il jouait quoi? RPK Fennec? C'est incroyable. Ouf. Ah, voilà, bon, je peux dire, Kaya, il y a la caisse attends, à côté. Attends. HP. C'est une abeille, juste devant. À droite. Y'a deux gars. Un HP aussi, ils vont courir gros. C'est les petites bites de tout à l'heure gros, c'est les mêmes joueurs. Et toi tu t'es fait des ennemis au Mexique hein. Ouais. Ouais. Parce que c'est les mêmes mange-merde hein. Bon bah écoute. Je sais pas où il est passé tonton. Moi non plus hein. Je viens de descendre justement pour le trouver ce bâtard. Moi non plus mais vu la zone... Oh le fils de pute, il est remonté. Il est remonté sur le toit. Je suis sur le toit, moi. Y'en a... Tu sais quoi? Je vais aller là. Ouais, t'as bien raison. Mais ils vont devoir sortir, de toute façon. C'est toi qui joues smoke? Ouais, mais j'ai... Je prends là tout, c'est pour livraison express, c'est trop bien avec les smokes. Je mets les grenades transperçantes et les smokes, c'est génial. Mais c'est la méta... Mais c'est la méta des... de tous les très très bons joueurs. C'est pas tout moi dans le arena aveugle, hein. Ça s'invente pas. Ouais. Mais en vrai, c'est ce qu'il y a mieux. Normalement, tu verras jamais Norby ou Saxy jouer avec ça, frérot. Mais en fait, quand je joue avec Saxy, par exemple, lui il prend œil de lynx et moi je prends ça. Comme ça, ça fait un. Ah, j'ai vu. Je suis œil de lynx aussi. Bah voilà, c'est parfait. À droite, hein. Je te mets une petite balle. Crac. Tu peux y aller. Et les autres tétards là, ils sont barrés ou quoi? C'est quoi ton truc? C'est un viseur bizarre? C'est un SPR avec un viseur bizarre. Mais en fait, c'est un viseur déporté, mais il est trop stylé. Quand tu vises, l'arme part sur le côté un peu, elle est trop classe. Ramassez le PDS qui est en bas, les gars, vous avez un PDS en bas. Voilà. Oh, putain. Ok, bannissez-moi cette merde, Twitch France, les gars. Vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes des professionnels. Ah, ça me vise à gauche. C'est vrai qu'on part en Mexique, on se fait bannir automatiquement. Je préfère même pas répondre à cette question. Franchement, j'ai trop de la haine quand je préfère pas répondre. Eh hey mec, c'est trop bien. La cadence, elle est magnifique en vrai. Si t'as un ping, je peux t'aider à le toucher. Ok. Vas-y, lui, on va le resserrer, gros. Oh non, mais lui, il est mort, lui. Oh ouais. Il a déco. Non, il vient de sauter à l'eau. Regarde son pseudo. Hey bitch, fuck you! Mister Binin, je crois que c'est pas la première fois qu'on le voit en plus. Ah là-haut! Quoi? Toucher dans le blanc. Faut pas toucher dans le blanc, dans le bleu. Je le vois pas, je peux même pas t'aider à aller à RPG. Ok, je tire sur ton point. Il mec. Crack. Oh merde! Ça touche! Ah bah en fait, c'est que j'ai fait un ping à 300 mètres. Du coup, le jeu considérait pas que le nouveau ping était pas au même endroit. Tu vois, il disait, ah bah non, bah peut-être que... J'ai ri. Là, au final, si on reste sur le pont, on est les rois du pétrole. Hein. T'as combien d'autoréa? Deux autoréa et 6 plaques. Et j'ai une boîte de mun si jamais on manque de mun. D'accord, ok. Ce serait bien d'avoir un système de protection si jamais on était dans le gaz. J'ai masque en or, perso. Ah. Mais tu sais qu'on a même pas...
Attends. Alors, je sais pas. Mais fais attention, Sky. Frappe. Ah oui. Ah oui, je sais pas où. Mais attends, mais j'ai aucune idée de où est-ce qu'ils sont, mais ils font mal. Ils cheat, on est d'accord. Bah. Ils cheat, frérot. Soit ils cheat, soit c'est pas normal. Ah, il est là. Dans la maison. À droite, ça m'a visé. Derrière moi. Derrière moi, chaud. Je suis pas là, gros. J'arrive. C'est bon, je l'ai mis à terre. T'es un monstre. Et dans la maison, il est où, gros? Oh, je me fais bombarder la gueule par la frappe, gros. Starfoula. Ah, je sais pas, je l'ai touché en fait, il est rentré. Putain de merde. Ouais, j'ai touché un peu. Niveau plaque, ça dit quoi, toi? J'en ai, mais j'en a... Ah putain, attends. Y en a dans le sac là du mec que j'ai buté, si tu veux. Ok, c'est bon, ouais, y en a plusieurs là-dedans. T'auras de quoi faire. Ah, ça va. T'as cramé toutes tes autoréas? Il m'en reste une. Ah, j'en avais laissé une par terre, tu as pas pris? Elle a disparu. Ça, c'est stade du jeu, c'est tout des pop. Tiens, voilà. Comme ça, t'en as une autre. T'es taré. Donc ça, j'en ai deux, t'en as deux. On a des plaques, t'as pris. T'as vu, j'ai balancé les paras et... Ah, t'as une boîte de mine là. Clique dessus avant qu'elle pète. Ah, mais j'ai fait exactement pareil que toi, Sky. Et c'est pour ça qu'il s'est smoke. Ouais, je check un peu. Ah, ça m'a visé à droite. Ah bah, c'est... Ok, c'est bon, t'es tombé. What? Mais j'ai... T'inquiète. Non, mais c'est pas ça, mais j'ai jeté la fumigène sur le pont. Elle a traversé le pont. Cool. Ah, mais. Je confirme, je suis là-bas. Mais attends, mais ces balles, elles traversent tout bien normal. Attends, mais le mur, il marche pas, frérot, je crois. Je crois, ouais. Mais tu l'as téléchargé, le mur, ou c'était le DLC? On est où? Je re-shield de lapin. Sac, je tente un truc. Non, mais les balles, le mur, il sert à rien. Les... Ah, c'est du joueur full RPK, tir penché. Non, mais ça sert à rien, j'essaye, mais... J'ai mon arme, elle fait autant de dégâts que leur RPK, quoi, donc c'est pour te dire. Et en plus, ils ont la zone, hein, ces chiens. Je vais porter des tourdons. Il continue de te challenger ou pas? Un crack. Ok, les deux sont bien touchés. Hein. J'ai plus de plaque. Ah mais mec, il me tire à travers le mur. J'ai plus qu'une plaque. J'ai jeté une smoke et des grenades. Tu m'as sauvé. Oh, ils vont devoir bouger, ces chiens. Frère, je suis à la réception. Ça tout ça. Là. Oh merde. Il y en a un mort déjà. Oh, t'es là. Mort. Allez, cassez-vous de là. bien joué, tu les as tués. Ah, ils m'ont fait chier, eux. Ah, sous le pont, sous le pont. Deux mecs sous le pont. J'intercepte. Un crack, deux cracks, un confirmé. Yo pussy, you. You have the SDF strategy, not me. Shut the fuck up. Man, hey burrito, you gonna die, man. Fuck you, burrito. Ouais. Burrito. À droite. Dans le bat. Non, je sais pas où d'ailleurs. Non, il était pas à droite là-bas. Il est sur le toit. Et bah voilà. Allez, coco. La win! La win! Première game! Après le débat de Twitch, et la win elle est là! Bah, du coup, le petit SPR thermique, bon, c'était. Il y avait un petit truc quand même, il y avait un petit truc sympa. Tireur de précision, petit 19 frag, bon, bah écoute. Cool. Et moi je préfère Twitch Mexique que Twitch France, hein. Alors là, Twitch France.
Voilà, je dirai rien, mais j'en pense pas moins. Ouais, parce qu'il m'avait dit, Saxi, il m'a dit, il préfère se torcher le cul avec des orties que Twitch France. Il m'avait dit ça. c'est complètement ça. Et c'est vrai que je le rejoins un peu là-dessus. À certains stades, ça peut faire rire, tout ça et tout. Mais genre, c'est un chômage technique obligatoire, tu vois. Sky, il a des employés. YouTube, tu vois, entre guillemets, heureusement. Ouais, mais il a YouTube, mais il a des employés. Mais imagine, il y a rien derrière, chier, tu vois. Il y en a, ils ont rien. Ah ouais, moi très honnêtement, j'irai sur YouTube. Ah mais t'as raison, t'as une communauté sans... YouTube. T'as complètement raison. Sans complexe, hein. T'as le comportement d'un YouTuber YouTube en plus. Un YouTuber YouTube. Ouais. C'est vrai. Streamer YouTube. Autant pour moi. YouTuber YouTube.